La minute du Seigneur. La minute du Seigneur, une minute tous les jours en présence du Seigneur. Une minute pour suivre le diacre Barthel Ndinga. C'est ce petit machin, ton Dieu? Non, jette ça s'il te plaît. Oui, la Bible nous enseigne, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jacob fait tout avec zèle, le bien comme le mal. Ce jour-là, Jacob est en fuite. Il a peur de la mort. Il vient de commettre un acte condamnable. Mais dans sa détresse, il craint Dieu. Il craint son Dieu et il a du respect pour Dieu. Dans sa fuite, il est fatigué. Il doit se reposer. Il utilise une pierre comme oreiller. Tout un symbole, n'est-ce pas? Il s'appuie sur une pierre parce qu'il sait qu'il est le socle. Il est le socle de la construction. Sur quoi t'appuies-tu, mon frère, ma sœur? Sur ce petit machin? Cette serviette qu'on t'a donnée avant ton voyage? Ce gris-gris que tu as ramené de ton petit village? Ce chapeau que ton oncle t'a confié? Ce petit fil que ta grand-mère t'a donné? Ce que tu caches au fond de ton lit? Non, jette ça. Ce machin ne peut pas être ton Dieu. Écoutons la joie de Jacob et ce qu'il déclare. Genèse, chapitre 35, le verset 3. Lisons. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut t'exaucer quand tu es dans la détresse. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas ce petit machin, ce n'est pas ce gris-gris, ce n'est pas ce qu'on t'a donné, ce n'est pas ce qu'on t'a dit au village. Crois en ton Dieu. Il est le seul pour te protéger. Il est le seul sur qui tu dois t'appuyer. Alors jette ce petit gris-gris que tu gardes au fond de ton lit. Amen. C'était la minute du Seigneur. La minute du Seigneur avec le diacre Barthel Ndinga.